tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la chaîne mobile. Alors j'ai passé un petit week-end voilà, en famille tranquillou pour Pâques et j'en ai profité pour tester des petits jeux mobiles le soir voilà, quand j'avais un petit moment et j'ai testé pour vous Tiny Pixel Farm, un jeu de gestion de ferme, de ranch comme ils disent eux-mêmes. En gros, vous allez acheter des terrains, déblayer des terrains, ça m'a fait penser un petit peu à Stardew Valley dans l'esprit, hein, vraiment dans l'esprit, voilà. Donc vous allez déblayer les terrains, vous allez construire des enclos. Alors il y a l'enclos de base pour mettre des moutons, des vaches, des trucs, voilà, du bétail, des bovins, comme ça. Enfin, vous comprenez. Ensuite, vous avez plutôt des enclos à poules, les poulets, les canards, les machins, les oies et tout. Vous pouvez même construire une mare pour plutôt pêcher du poisson. Vous avez également l'enclos, le ranch vraiment pour les chevaux. Voilà, vous allez leur faire faire des petites compétitions, ils vont revenir et vous rapporter de l'argent. Donc voilà, tous ces animaux, il va falloir les nourrir. Donc vous allez devoir récolter dans la grange qui est tout en bas de l'écran de l'herbe régulièrement. Et voilà, au début c'est un petit peu ça le gameplay, vous nourrissez vos animaux, ils produisent des produits évidemment que vous exposez dans votre petite boutique et les gens viennent les acheter. Et du coup ça génère de l'or. Voilà, ça c'est la mécanique de base. Vous gagnez également de l'XP. Parce qu'il y a des petits animaux errants qui vont venir dans votre ferme. Donc par exemple, vous allez construire, vous allez mettre un arbre. Oui, vous pouvez placer des petits arbres. On pense que c'est de la déco de base. Bah pas du tout. En fait, ça va attirer des oiseaux. Vous pouvez leur mettre une petite mangeoire, une petite... voilà, et ils vont venir, et ça va vous... voilà. Ça va vous générer des petits produits, genre des canettes et tout, des détritus, parce que apparemment les oiseaux, ça ramène les canettes. Enfin voilà, ouais, c'est le jeu, hein. Qu'est-ce que je vous dise ? C'est comme ça, donc voilà, ça va attirer des oiseaux, votre terrain il va attirer des chiens, des petits lapins, des petits trucs mignons, et vous allez en fait, en leur frottant le dos, en les câlinant quoi, vous allez récolter de l'expérience, et ça va également les faire level up, c'est-à-dire que tous les petits animaux de votre ferme peuvent level up, et donc ils produisent plus. Voilà, ça c'est le gameplay de base. Après, comment ça se passe en late game, un peu plus quand vous avancez dans le jeu, vous allez pouvoir embaucher des employés, heureusement, parce que sinon de tout faire à la main, ça devient rapidement ingérable. Donc vous allez employer des gens, et ces personnes, vous allez par exemple en assigner un à la récolte du foin pour nourrir les animaux, donc déjà ça va vous alléger d'une tâche. Vous allez en assigner un aux chevaux, aux moutons, aux trucs, donc ça vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc après ça va tout faire automatiquement et ça va vous alléger d'un petit poids. Donc le jeu on pourrait le considérer comme un clicker en soi, mais il entre davantage dans le jeu de gestion parce que par exemple vous allez pouvoir louer des chambres. Voilà, vous pouvez faire chambre d'hôte dans votre petite ferme et améliorer un peu le bâtiment, la chambre pour qu'il y ait plus de visiteurs à la fois, des trucs comme ça. Donc vous allez pouvoir améliorer des choses sur le long terme. Et on le considère du coup plutôt comme un jeu de gestion, surtout qu'il n'y a pas vraiment de notion de clicking quoi. Donc le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était très fun au début, et rapidement, j'ai commencé à m'ennuyer parce qu'en fait, on avait toujours les mêmes animaux, toujours le même principe, et voilà, il n'y a pas de véritable renouvellement. Donc c'est vraiment un petit jeu pour se détendre, très sympathique un week-end, à tester, c'est super, mais c'est pas un jeu qui va durer des mois, certainement pas, à moins... que vous soyez sous le charme, c'est possible, hein. Sous le charme, vraiment, vous adorez, et du coup, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. À bientôt, bisous.